Messieurs, dames, bonjour, bonne nouvelle, cette semaine dans 500 sauteurs, on va refaire de la musique, Sans déconner. Et ça c'est grâce à l'ami PH de la chaîne Le Point Genius qui m'a envoyé un message il y a quelques semaines pour me commander 3 musiques pour sa chaîne. Bon, il n'y a rien de fait, il n'y a rien de monté, comme d'habitude au moment où je vous parle là, c'est le début, je ne sais pas dans quoi je m'aventure, je vous emmène avec moi et on va voir comment ça se passe. Alors PH, dans ces 3 musiques qu'il m'a demandé, il y a des souhaits. La première, il veut une musique très triste, genre des musiques de décès, des trucs comme ça. Il veut aussi une musique épique et il veut une musique plutôt de fond, type électro-rock. Je pense que c'est sur ça que je vais m'attarder aujourd'hui. Alors, un truc triste, je vois tout à fait. Un truc épique, je vois tout à fait. Electro-rock, je pense que je vais me faire une petite session déjà d'écoute de musique de ce style parce que c'est un style que je connais peu. Et puis une fois que j'aurai fait ça, bah je vais voir. Ok, fin de journée, j'ai passé beaucoup de temps à me documenter, à regarder ce qui se faisait, donc j'ai fait des notes sur un petit bout de carton. J'ai noté que souvent ça partait d'un motif de guitare, un riff, quelque chose. Je pense que demain je me mettrai dehors dans le jardin et je chercherai des riffs. Allez, c'est parti, j'ai pas mal cherché de trucs à la guitare. J'ai trouvé quelques plans, quelques trucs. Et je pense que ce que je vais faire, c'est une musique très très évolutive avec plein de passages différents. Parce qu'il faut pas oublier que ce que je fais là, c'est une musique d'illustration pour le web. Donc je vais commencer par un truc tout doux. Après, je vais faire partir du rythme. Je vais faire évoluer ça. Donc, on est parti. On crée un morceau. On crée une piste de guitare. Je vais mettre guitare planante. Tu vois là sur cet ordinateur, à l'endroit où il y a la souris, il y a un effet qui s'appelle Hold. C'est ce truc là qui fait que quand je vais cliquer là-dessus, ça va geler le son. Ça va me faire une texture. Je vais faire un petit solo un peu planant à la Pink Floyd par-dessus. Alors je commence à y voir plus clair, là j'ai fait une partie de batterie donc très séquencée, très électro. Et je pense que maintenant je vais passer à de l'organique un peu, à des vrais sons, de vrais instruments. Et je vais me servir du fait que tout à l'heure quand j'ai fait les petites cocottes de guitare, j'ai fait juste une note, c'est un La d'ailleurs au passage. Et ce qui va me permettre de tourner autour de ce La avec une grille. C'est-à-dire que moi je vais faire une grille vraiment de base avec La majeur, Sol, et Ré, pour revenir au La majeur. Sauf que comme pendant tout ce temps-là, il y a le La de la guitare qui tourne, celui-là, là. Quand je vais rajouter les accords par-dessus, ça va faire un truc un peu solennel. On appelle ça une pédale de La. Ça va donner un truc genre ça, regarde.
la basse maintenant. La basse, si vous suivez cette chaîne, vous savez que c'est important pour moi. J'adore cet instrument. Pour moi, une bonne partie de basse, c'est essentiel. Donc là, je vais chercher des trucs. Ok, je pense que j'ai trouvé quelque chose. Alors, le ré. Je rajoute des claps parce que la chaîne, c'est le point génius. Le génie, il est partout, c'est ça son slogan. Et le fait que ce soit universel comme ça, les claps, ça rassemble, ça me paraît une bonne idée. On va voir. En fait, j'ai trouvé un truc et j'aime de plus en plus la mandoline. Il n'y a rien à faire, donc je pense que je vais essayer de mettre une mandoline. Je vais te montrer ce que c'est, une mandoline. C'est un truc comme ça. J'en avais mis dans un arrangement, je crois, me rappeler que PH l'avait bien aimé en plus. Ça donne tout de suite une couleur, une mandoline. Voilà, je trouve que ça fait voyager et je trouve que ça correspond nickel à l'esprit de la chaîne de PH où en fait on peut parler d'un truc le dimanche et puis un autre truc le dimanche d'après complètement, il nous fait voyager dans ses vidéos. Ok, le truc que je suis en train de faire, ça prend des allures de Gorillaz un peu, et j'entends des chants d'enfants. Donc j'ai appelé Louise. À la rescousse, ma fille, qui va nous faire des chœurs. Genius, genius, genius is everywhere.